On est tout à votre joie, TJ. Alors déjà parce que vous marquez deux buts et parce que j'imagine que la joie de le marquer a été doublée du sentiment du soulagement quand même. Hein. Oui, c'est vrai que voilà, le troisième but qu'on marque, c'est celui qui nous met à l'abri. Voilà, content de le marquer. Et voilà, ça fait plaisir de marquer un doublé ici à la maison, c'est mon premier. Et voilà, j'espère que ça ne sera pas le dernier. On fera volontiers le choix de nous satisfaire plus de ce résultat que de ce qui s'est passé avant le déclenchement suite au pénalty, parce que bon, la première mi-temps... Ouais, la première mi-temps, on a eu du mal. C'est vrai qu'ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Mais voilà, on a su réagir en deuxième mi-temps et marquer trois buts, voilà, qui nous fait gagner ce match très important de rester en haut du tableau. C'est une marque de fabrique, ces buts, c'est pas le troisième que vous avez marqué, n'est pas le premier du genre que vous marquez. Ouais, c'est vrai que voilà, dès que j'ai la possibilité de frapper, je ne me pose pas de questions. Je frappe, voilà, en ce moment ça me sourit et voilà, j'espère que ça va continuer. C'est beaucoup quand même 3-0 hein, sur ce qui s'est passé. Ouais, mais voilà, on va prendre les 3 points, on a gagné 3-0 ce soir, on ne va pas les retirer. Voilà, c'est comme je dis, ça fait du bien de gagner à la maison et de rester encore un peu plus haut au classement et on va essayer de faire un bon match la semaine prochaine à Rennes. Cinquième avec un doublé de TJ Savagnier, 6 buts au compteur, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ah, Thibaut Vargas, je ne sais pas si c'était programmé à l'avance, mais on ne vous a pas ménagé. Hein. Non, ben... Dans la semaine, on a appris que Arnaud il s'était fait mal un peu à l'ischio. Mmh. Du coup, ben, le coach m'a directement mis dans l'équipe. Donc, tout au long de la semaine, on m'a bien préparé, on m'a bien parlé et tout. Et même moi, tout au long de cette semaine, je me suis bien concentré sur les choses qu'il fallait que je fasse et que je ne fasse pas, du coup. Et au final, aujourd'hui, c'est plutôt bien passé. En plus, avec une bonne victoire à la clé devant un beau public, donc ça fait plaisir. Bonne victoire, mais d'un certain point de vue, quand même, victoire un peu déroutante, parce qu'avant le premier but... Oui, c'est ça. En première mi-temps, on a un peu galéré. On n'arrivait pas à trouver les situations qui fassent la différence, surtout les dernières passes et tout ça. Après, en seconde mi-temps, on a su rectifier. Et on a obtenu ce pénalty sur la faute sur Vito. Et TJ qui le transforme, et après on a déroulé, et c'est bien. Bon, ça le fait. Vous êtes cinquième ce soir. Très bien, c'est une belle victoire, 3-0 devant un beau public, ça fait très plaisir. Et maintenant à nous de continuer à Rennes le week-end prochain et ensuite pour la venue de l'OM, il faut continuer pour rester en haut. Merci beaucoup Thibaut Vargas, merci. Bon, déroutant mais c'est bien la preuve que cette équipe a de la moelle, elle a été persévérante. Ah oui, on a eu une première mi-temps difficile. Même si on a eu des occasions aussi, on aurait pu concrétiser aussi nos occasions. Mais on a subi beaucoup de situations contre nous. Heureusement que Rouli il a encore fait un gros match et il a fait les gros arrêts qu'il nous fallait. Et après en deuxième mi-temps, on a été bien meilleur dans la récupération du ballon. Collectivement, c'était bien mieux que ce qu'on avait fait en première mi-temps. On a bien utilisé le ballon. Même si le premier but qu'on marque, c'est sur pénalty, mais on le provoque parce qu'il y a faute sur Vito. Et après on a bien déroulé, on a été très bon dans les transitions, on a été beaucoup plus tranchant dans nos courses, dans les occasions qu'on s'est créées, et on marque des jolis buts. Et pourquoi pas avant? Parce que il y a toujours un petit doute, parce que quand tu perds deux matchs d'affilée à l'extérieur, tu as toujours un peu de stress, un peu d'anxiété. Et voilà, les joueurs ont répondu comme il fallait en deuxième mi-temps. Et voilà, il faut qu'on s'appuie là-dessus pour continuer à être performant. Et il faut qu'on soit beaucoup plus performant à l'extérieur aussi. Voilà. Cinquième. Chercher un truc à Rennes. Merci Michel. Cinquième ce soir.